Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Quelle est votre routine matinale? Moi, personnellement, je commence tous les matins avec mon café à la main, je me prépare et je suis prête à débuter une journée bien remplie. À vrai dire, c'est très difficile de commencer mon matin sans mon café. Vous le savez, je suis fan de café, j'ai testé presque toutes les machines disponibles sur le site de Best Buy et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le nouveau produit que j'ai testé pour vous. Il s'agit de la machine automatique True Blend de De'Longhi. Premièrement, De'Longhi, c'est une compagnie qui est très reconnue dans le domaine des cafés ainsi que des machines expresso. C'est d'ailleurs très haut de gamme et la plupart des prix d'acquisition sont quand même assez élevés, donc c'est onéreux. Donc, j'aimerais ça commencer cette capsule en vous disant déjà aujourd'hui que le modèle que je vous présente est très, très abordable. D'ailleurs, c'est un des modèles les plus accessibles de la gamme de De'Longhi. Bien qu'il n'a pas toutes les composantes des grandes compagnies haut de gamme de De'Longhi, par exemple, il n'y a pas le mousseur à lait. Mais somme toute, il a toutes les composantes pour vous faire un élixir somptueux et onctueux tous les matins. Alors, je vous présente tout de suite cette machine. Qu'est-ce qui va agrémenter votre journée? Premièrement, selon moi, c'est sans aucun doute le moulin à grains qui se retrouve sur la portion supérieure de la machine, à un endroit parfaitement situé. Parce que pour moi, le moulin à grains doit être au centre, en devanture et non à l'arrière. Souvent, les machines vont avoir le compartiment plus vers l'arrière, donc c'est dur de mettre les grains à café. Tandis que celui-ci se trouve vraiment dans la portion supérieure. Donc, vous n'avez qu'à mettre vos grains préférés de la brûlerie de votre quartier ou encore de votre épicerie que vous aimez vous procurer vos grains à café. Mais là, si vous avez déjà du café moulu, pas de souci, il y a même une fente. Et ça, je trouve que c'est un signe distinctif parce que ce ne sont pas tous les machines à café qui ont la fente pour pouvoir le mettre le grain déjà moulu. Donc, vous pouvez le mettre juste dans la partie arrière. Par la suite, en devanture, vous avez sur le côté la possibilité de mettre un très bon compartiment d'eau. D'ailleurs, la ligne maximum, là, personnellement, moi, j'ai pu faire 5 cafés de 14 ou 16 onces d'affilée. Donc, ça a été quand même 5 cafés avant de le remplir. Donc, tout dépendamment de votre utilisation, vous pourrez l'avoir là pour au moins 4 à 6 ou 7 cafés. Par la suite, la devanture, vous avez un petit emplacement pour pouvoir mettre un gobelet de café, donc une tasse régulière, que vous pouvez aussi refermer. Donc, si vous avez une grosse tasse de voyage, bien, vous pouvez aussi la mettre facilement pour pouvoir infuser un délicieux café ou infuser la fameuse carafe de 40 onces qui vous est disponible avec ce modèle. Et 40 onces, bien, ça vous permet de pouvoir avoir du café chaud lors des brunchs dominicaux le dimanche. Donc, je trouve ça vraiment fantastique. Par la suite, bien, vous pouvez ouvrir la portion de la devanture pour pouvoir avoir les déchets. Donc, le fameux marc de café qui sera mis en rondelle. Et d'ailleurs, vous le voyez dans ma vidéo, je peux même prendre la rondelle dans mes mains. Donc, très compact, très facile à s'en départir. Donc, premièrement, très important de vous en départir au compost. Ou encore, vous pouvez l'utiliser pour le jardinage en prévision de l'été pour pouvoir éloigner toutes les petites bestioles là, qui pourraient être néfastes à votre culture. Et vous avez le deuxième compartiment qui vous permet aussi d'accumuler l'excédent d'eau lorsque la machine fait sa purge. Donc, très important, la machine va écouler l'excédent d'eau pour nettoyer les conduits pour vous. Par la suite, bien, vous n'avez qu'à utiliser l'interface tactile. Donc, trois boutons sur le côté vous permettent entre autres de sélectionner le format de café désiré entre 3 onces jusqu'à 40 onces. Vous pouvez aussi déterminer le degré d'intensité de l'infusion de votre café, justement de faible, donc de light, de léger, jusqu'à très foncé. Moi, j'adore le très foncé. Vous pouvez même aller jusqu'à doser vos cuillères. Vous avez aussi un tableau de paramétrage qui vous permet de mettre le mode automatique pour pouvoir vous réveiller tous les matins avec l'odeur du café, bien sûr, qui vient juste d'être infusé pour vous selon votre programmation. Et vous pouvez aussi ajuster le cadran de l'heure. Donc, sincèrement, je trouve que cette machine, elle est très intéressante. Le café délicieux, c'est la marque De'Longhi. À son prix d'acquisition, c'est un des prix les plus bas pour cette gamme. En plus, ce que j'aime, c'est comme vous pouvez l'avoir en ce moment, pour un modèle avec moulin, compartiment en haut, elle est très compacte pour justement la laisser sur le comptoir. Vous pouvez donc de façon très esthétique la mettre dans un beau décor blanc, noir. J'aime sa finition, j'aime son format. Donc c'est sûr que pour moi, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix pour la marque. En plus, ça vient avec le format carafe. Et j'aimerais aussi vous dire que le livret d'instructions est très bien fait. D'ailleurs, dans mon article à ce sujet, vous pourrez aller voir, j'ai mis une capture d'écran pour vous montrer comment les étapes sont très bien illustrées. Donc, tout le monde peut facilement nettoyer et utiliser cette machine. Et on vous offre aussi, dans l'équipement de base, des nettoyants pour pouvoir nettoyer vos conduits
très, très, très important de faire votre nettoyage. Toutes les machines à café espresso nécessitent un nettoyage de temps à autre, là, mensuellement, minimalement, pour pouvoir s'assurer que tous les petits conduits, il n'y ait pas de poussière de café et que vous ayez toujours la meilleure qualité de café possible. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous les tests que j'ai effectués à la maison, les dimensions, le poids, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test à la maison.